sujets de cuisine en folie, que ce soit sur cette chaîne ou sur mon blog, vous aurez constaté que je suis une passionnée de brioche. Eh bien écoutez, j'en ai quand même trouvé une que je n'avais pas encore réalisée jusqu'à présent, la brioche Hokkaido. Eh bien voilà, j'y ai remédié, et celle-là aussi, on l'a vraiment adorée. Première étape de la brioche, on va réaliser une pâte tang tsong. Alors désolé pour la prononciation. On va mélanger dans une casserole 63 ml d'eau, 63 ml de lait, 25 g de farine et on va mélanger ça à feu doux jusqu'à obtenir une sorte de béchamel à peu près à 65 degrés. De la brioche Hokkaido, sur le plan de travail, il vous faut 270 g de farine, 28 g de lait, 25 g de beurre, 43 g de sucre, 4 g de sel, 5 g de lait écrémé en poudre, 6,5 g de levure de boulanger sèche, 30 g de crème, 43 g d'œufs battus et donc 93 g de notre fameuse pâte tang tsong. Thank you.